joueurs en une seule journée. Là, les gars, ils ont enchaîné une dingue. On l'a vu, Ramsès, il a 9-7 dans les pattes et il va falloir continuer d'enchaîner. Et non, on va pas faire ça. Si la prochaine deux jours en deux jours, non. Samus, normal. Ouais, ok. Bah pourquoi par contre la prochaine en deux jours, je t'en supplie par pitié. Ouais, peut-être le retour. Oh, regarde cette clash. Peut-être. Ok, on démarre sur les meilleurs auspices là, j'adore ce qui vient de se passer. Et quoi qu'il en soit, match-up international, match-up européen, match-up bien Schengen là, entre Siski et Ramsès, le Shulk néerlandais face à la Samus, Dark Samus espagnole, deux joueurs étant dans l'élite de l'Europe. Ramsès aussi très connu en tant que coach. Il faut le dire, c'est un excellent coach. Il coach, il a donné des conseils à Gluton. Je crois que c'est encore le coach de Gluton. Ouais, tout à fait. Non, il est connu en fait pour un peu tout. Il crée du contenu, il coach, il caste en anglais. C'est un homme à tout faire. Et l'homme que tu vas voir chez toi, tu rentres du taf, il t'a fait la manger, il a fait la cuisine, il a tout fait pour toi. Et maintenant, il va falloir réussir de son côté à passer le monstre Siski, celui qu'on a désigné comme le top d'Européen pendant très 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 longtemps avant Bloom. Et pendant qu'on parle et pendant qu'on discute, Triangle Jump Battler, il a explosé dans la blaze zone. Ouais, mais... Oh ouais. Ah bah un partout. Retour. Un partout, retour. À l'envoyeur. C'est vraiment plaisir d'offrir, joie de recevoir ici. 0-0, 2 stocks. Très belle edgeguard là de la part de Ramsès après un mode match un petit peu ambitieux. Si vous ne connaissez pas Shulk, vous le voyez, hein, les arts qui changent les caractéristiques du personnage, mais sachez aussi que ces caractéristiques ont des malus. Voilà, donc vous le voyez en mode shield, vous êtes simplement un camion Hobbuster. Oui, vous faites plus mal, mais vous prenez aussi plus de dégâts. De l'autre côté, quand vous êtes en jump, vous prenez un petit peu plus de knockback, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a aussi le smash où tu prends plus d'éjection aussi, il me semble, je sais pas trop. J'ai juste un doute sur le shield, moi. J'ai juste un doute sur le jump. Ouais, mais mes experts du chat me répondront très très vite. Les masses informent. Je vous aime. Je te vole des expressions. Et il y en a un qui peut voler des stocks rapidement. Ça peut être Ramsès, tu l'as dit, avec ses monados, notamment le monado smash. Okay. Faut avoir les bonnes DI. Mais il y a plein d'autres de Ramsès. Ils sont très très bonnes. Voilà. On a bien tempo du côté de Siski. Ça va être très très important du côté de Siski. Toujours tempo, bien stall à l'edge pour éviter de se faire avoir par des UP qui peuvent tuer également très très tôt. Et pour le moment, Ramsès domine en vrai. C'est vrai que Ramsès domine. C'est vrai que pour l'instant Ramsès domine, mais ça se ressent pas forcément au pourcent. Et en plus, on est passé en mode smash et on l'a sorti. Hein. Le mode shield ici, alors certes on a contré, là c'était la double sécurité. On a fait shield plus contre au cas où. C'est ça. Donc si il grab, bah, il te tue pas avec l'astro. Et si jamais il envoie un coup, tu prends le contre. Et évidemment avec le shield, tu fais moins de dégâts aussi quand t'as le monade de shield. Donc forcément ça va pas être concluant pour le moment le contre de Shu que Ramsès utilise quand même pas mal. Et qui est pourtant un contre très défrayé, on l'a dit. Les EB pour plus on est recovery, ça peut être fait, va falloir stall énormément du côté de Siski. Et encore une fois, c'est Ramsès qui ouvre la marche. Couverture d'option. Mais couverture de terrain du côté de Siski. Encore une fois, encore une stock back to back. Cette fois c'est Ramsès qui l'a prise en premier, mais voilà le résultat elle-même 0-0, mais cette fois-ci la stock est en... Ah, on avait le buster mais on n'a pas réussi à en faire grand chose. Ça c'est ce que j'appelle une double D. Don't throw into décevant. Vraiment, ah ouais. Y a rien. C'est don't throw into rien à zéro. C'est un truc le plus drôle sur Smash Bros si vous voulez mon avis. Terrible, notre avis Ramsès, allez. On va enfin avoir une petite phase avantage qui va être récupérée. Combien de merde d'affilée il en a mis, on est peut-être au 6ème, voire au 7ème, il enchaîne ici Ramsès, on va réussir à récupérer le monado. Il faut faire attention, certainement pas se prendre des aérios ici du côté de Siski. On est sur un vrai combat de top tier et les top tier ça tue très vite. Du moins c'est ce qu'ils m'ont appris en braquette. Et à travers ce grab, c'est pas passé à grand chose. Et 87% désormais du côté de Ramsès. Ça veut dire que sur un bon aérien loin, un bon chercheur, on va être envoyé très très loin. Et on l'a dit, très bon neutral et des monados. Ça fait deux fois, ça fait peur. Hein. Ça fait deux fois air dodge au même timing. La troisième fois, c'est ce qui se ferait la même. Fait la même, il prend la patate. Le fer ici, excellent. Tentative d'edge guard qui va bien être contré par le Zer. Et ouais. Bah oui, il était en smash. Mais qui pourquoi? Mais. Bah oui, mais. Mais tu. Bon. Tu récoltes ce que tu sais, mais au bout d'un moment, ah, oui. Tu te mets en shield. Enfin, frérot. Tu te mets en shield à 74%, un moment qui t'a invité. Non, mais c'est. comment caster quand j'ai un humoriste à côté de moi? Non, mais frère. Le stand-upper. Regarde. One man show. Regarde. Là, ça, c'était pas mal. Là, ça, c'est stylé. Alors, ensuite, il a encore récupéré la fameuse punition de Rico avec le bust. Clean. C'est mignon. Et alors voilà, la réponse. Chacun te dash attack, true combo, vous connaissez. Et si moi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ok, à moi, de smash. Ah d'accord.
Oui, bah oui, c'est un saut de cirque. En fait, je pense qu'en vrai, il a anticipé le set play complet, tu vois. Ouais, moyen. Ouais. Où il saute, il smash et il se dit que de toute façon, il peut faire genre un air ou un air, un backer, un fer, quelque chose qui couvre loin parce que de toute façon, c'est Shulk. Sauf que, bah en fait, si, il a juste fast fall dash attack dans la foulée et t'as très peu intérêt à pas faire cette dash attack dans ces moments-là. Tout à fait, tu vois. Et on qu'on n'avait pas anticipé ça du côté de. On n'avait pas anticipé cette play du côté de Ramsès. Allez, on va partir en tout cas sur une deuxième map et choix de map que je dirais ambitieux, un peu ascendant balance, un peu ceci. On va avoir un destination finale que je pense largement à l'avantage de Samus, non ? Un choix de terrain Mercure rétrograde, c'est ça que tu es en train de me dire ? Très très Mercure rétrograde. Okay. Je pense pervers narcissique. Ah, peut-être. On verra. Allez, pour le moment, bah, il ne me fait pas mentir en tout cas la Missiski. Il y a une destination finale qui va être très très dure du côté de Ramsès. Va falloir réussir à passer à travers les charshots et les projectiles et la pression que Siski va mettre en place. On n'a pas de plateforme pour se protéger. Sukram qui n'a pas passé à grand chose, heureusement, parce qu'on avait le Monado Jump et l'éjection aurait pu être terrible. Attention par contre, du côté de Siski, a pas trop tapé. Aïe. Le frérot est sous Jacques-Miel Ballon. Le man est sous Vodka Black Poppers. Ramsès qui est en train de péter un câble. Et il va falloir commencer à faire moins de grosses erreurs car Siski fait partie des joueurs de la trempe de ce nom. Contre qui tu peux pas faire ce genre d'erreur sans faire avec la manière quoi. Hein. Les fameux setplay, les fameux combos VRC, hein. Vodka, Rom, Contrex. Là c'est très difficile. Ah, c'est compliqué. C'est très difficile de faire un smash qui va pas passer. Et encore une edge guard, mais écoute, on sait pas punir. On prend, ça va pas coûter. Sakurai, tu nous as fait une dinguerie. Et en vrai, on a pas pris tant de pourcentage que ça. Et j'ai l'impression, mine de rien, moi je sais que de mémoire, en y repensant, on en discutait, les Shulk aiment bien, il me semble, DF, parce que bah, tu sais, avec le mode speed et tout, tu peux quand même couvrir horizontalement. Et t'es pas un DPS qui profite à mort des plateformes, même si tu peux en profiter un petit peu si tu veux. Mais c'est vrai que contre Samus, cale charge shot, cale les projectiles, etc. Tu dis que c'est moins évident, mais je pense que c'est un terrain de confort pour les Shulk en général. Donc, je pense qu'on n'est pas mécontent non plus. Tout à fait. Et je pense que de toute façon, Samus a pas de mauvais stage. Non, clairement. Bah... Oui, c'est vrai, en fait, c'est une bonne remarque. En fait, faut peut-être prendre celui sur lequel t'es le plus à l'aise contre ce personnage. Aïe, direction Vau-en-Velin la soie, banlieue lyonnaise, on repart pour la première. La gare de Venn, celle-là. Celle-là, elle a atterri à Gorge de Loup, elle va prendre le plus. Allez, on est parti en tout cas du côté de Siski. On fait la même chose, hein. On met des projos, on met la pression et on profite de des assurances finales. Il va falloir essayer du côté de Ramsès à réussir à pallier contre ça avec notamment son jeu de Monado ici. Très bonne recovery du côté de Siski. On a failli récupérer l'avantage, mais Ramsès est très très bien revenu et il met quand même une grosse pression avec son épée, mais à 98%. On est clairement en danger parce qu'on va être envoyé très très loin offstage et on va vite passer sur des phases d'edgeguard de la part de Siski. Alors que lui, bah, même à 112%, on l'a vu, il était pas trop en danger. Samus, elle a une armure en métal et elle est particulièrement lourde, mon cher 5D. Oui, elle est très très lourde cette Samus. L'armure a bien mangé à la cantine. L'armure, elle est faite de métal relativement dense. Alors que Shulk, beaucoup moins comparé à Samus. Et ce char shot nous l'a fait sentir ici, encore une fois, le rythme de la game est plus lent, mais n'en doutez pas, c'est bien un bel avantage de la rapidité. Et plus le rythme de la game est lent, et plus un écart de pourcent, bah, ça veut dire beaucoup. Tout à fait. J'en parlais tout à l'heure ici, bon, le contre qui n'a pas trop bien fonctionné. Ça qui m'étonne aussi, c'est Kramsès, comme j'ai dit, il utilise de temps en temps le contre, alors j'en vois quasiment jamais chez les autres Shulk. Évidemment, c'est un coup qui a l'air de lui ne pas décrier particulièrement bien apprécié. Ça, Nair Touba qui a cédé partiellement trop. Heureusement, on n'a pas eu la banni de box. Oh, encore une fois, ça ne déconnecte pas. Bah oui, il fallait payer 6€ si tu voulais des coups qui connectent. Je suis désolé, mon frérot. Et du côté Siski, on va tranquillement encore une fois stool. Les recovery de Siski sont impeccables. T'as Nair Touba smash par contre, ça, petite triche Monado Shield. On n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Et heureusement, pour Siski là. Et on va essayer de remonter, on va essayer de mettre la pression avec l'air speed offert par le mode jump. Et au final, en vrai, le mode jump qui aura forcé Siski à être très tranquille offstage et qui aura offert une belle interaction de ledge trap, propre de la part de Ramsès. Très propre. Non, du côté de Ramsès, il faut profiter notamment de ce Monado, tu l'as dit. Par contre, il va prendre plus de pourcents, donc on l'a vu, il peut pas le garder très longtemps, en tout cas certainement pas en désavantage. Et du côté de Siski, bah, on n'approche pas. Game plan, je me mets à distance, je te jette des trucs pour ce dernier. Pour le moment, il a l'air de fonctionner. Alors attention quand même à ces phases de jogging, parce que oui, les stations finales, ça peut profiter à Ramsès. On n'a pas de plateforme, ça veut dire qu'on peut avoir un très très bon jeu de jogging, mettre beaucoup de pression dans les airs. Et pour le moment, c'est quand même Siski qui la met cette pression. On est en train un peu de se faire surprendre du côté du genre espagnol, néanmoins, parce que Ramsès, il a quand même bien récupéré l'avantage. On a bien attendu l'air de... Si la situation est critique pour le joueur espagnol, la situation est très difficile, mais ça va être. On temporise au maximum le mode smash. On l'a temporisé. Vous vous rendez compte que Samus a réussi à temporiser un mode smash de 4-5 secondes. Hein. C'est quand même beaucoup. 4-5 secondes en l'air, c'est beaucoup dans Smash Bros. Il faut ton top tier privilège aussi. Ah, il faut ton top tier privilège et on en a bien profité là du côté de Siski, la forme intro pour inverser les positions. On va remonter, on va prendre une bombinette ici, on va prendre une deuxième bombinette, une troisième. Non, c'est bon.
on va rester sur le terrain. On était un peu dans le mixeur là et on s'en est bien sorti. Mais voilà, le back air, au bout d'un moment, on était bien remonté mine de rien du côté de Ramsès. On était pas, on était à pas grand chose de trouver la deuxième game. Mais voilà, Siski qui a déroulé, qui n'a jamais été, qui a jamais été vraiment derrière, qui a jamais été derrière tout court, tout simplement. Et on le fait sentir là, le back air, après avoir bien build des pourcents. Solide. Ouais. Solide, solide, solide. Et en vrai, peut-être des options en désavantage du côté de Ramsès, un petit peu trop répétitive. On a, je crois, on a fait 3 dash-in de suite. Donc forcément, ça c'est ce qu'il a pu le punir. Et on repart hein, sur la même chose. J'ai pas vu le choix de map néanmoins de Ramsès. Je pense pas qu'on reprenne les situations finales personnellement. Je trouve que quand même, Siski en a quand même globalement plus profité que lui, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'on a vu Siski dominant aussi. Et en vrai, au final, la game était pas last it, mais il y avait 85%. 85% sur une mauvaise interaction en Smash. Moi, ça me semble pas aberrant. Et ouais. Je trouve pas ça aberrant, moi. Destination okay. Finale, on valide le choix. Juste que c'est vrai que, en fait, c'est les. Juste que Shulk, en fait, on connaît toutes les forces de Samus, on connaît vraiment beaucoup les conditions de victoire de Samus. Donc, dès qu'on voit une pas beaucoup de plateforme et un sharkshot, on panique. Mais en vrai, Shulk, il a les moyens d'agir. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un sur lequel je contesterai pas les choix de map et dans les match-ups, c'est Ramsès. Ouais, tout à fait. Puis même, hein, c'est des pro-players, ça fait très longtemps qu'ils savent l'un et l'autre qu'ils seront présents dans le tournoi. Oh et puis ça fait la possibilité de s'affronter, mais t'as aussi la possibilité de te prendre un bon gros down air sur ta recovery. On l'a vu, Ramsès qui se faisait pas trop punir sur ses recos, alors que pourtant, on l'avait dit, hein, le B de Shulk qui est relativement exploitable. Ça y est, c'est enfin trouvé de la part de Siski, down air direction en bas. Et ça, ça va durer à remonter, ça. Hein. Ah, très beau spike, il est très très fort sur les dernières Siski. En plus, aïe, et en plus, on prend ce shot, ça fait très très mal. Il faut remonter une nouvelle fois, c'est bon. Le up slash là pour mettre des pourcentages une nouvelle fois là. On gratte ce qu'on peut gratter, on reverse ce qu'on peut reverse, mais on est quand même dans des soucis relativement tangibles là du côté de Ramsès. Ok, le jab encore une fois, et on n'a pas touché le centre du terrain encore une fois. Et au moment où on le touche, et ben voilà, encore une fois, mais on whiff un grab et on prend encore une pression par Siski. C'est très très dur là du côté de Ramsès. Pourtant, Au vu de son tournoi, on est presque dans sa comfort zone puisqu'on est mené de 0. Mais là, peut-être que Siski, c'est un mur un petit peu trop haut et un petit peu trop solide. Ouais, il nous fait rêver, hein. Il le fait, il vit pour les caméras celui-là. Une sécrétion sur Uchi. Aïe, aïe. La pression. Ouais. T'as vu la pression? On a pas air dodge. Il a dit, ouais, je sais qu'il va air dodge. Donc on attend, on attend. Sauf que, bah, on était en bonne position pour Ramsès et c'est lui qui a pu remonter. Et c'est en vrai, c'est un edgeguard mental ce qui vient de se passer là. Du côté de Ramsès, c'était assez impressionnant à voir en vrai. Tu vois, t'es positif. J'allais dire, ouais, il est sous Malibu Coco. Non, c'est en fait pas du tout. C'est la pression de Ramsès qui a fait ça effectivement. Des fois, comme on l'a dit, hein, c'est la même chose qu'avec Léon tout à l'heure. Des fois, tu veux une mix-up et le mec il te met tellement de pression comme ça, tu fais une option bête et t'en perds ta stock. C'est exactement le cas. Néanmoins, 150% on mourra de beaucoup de choses, notamment d'une obstro par exemple. Donc, faut surtout pas avoir le Monado Speed trop longtemps du côté de Ramsès. Allez, est-ce que ça va être fait? Bon, on a quand même un doute sur l'avantage du côté du genre néerlandais. On reprend bien le con. Mais c'est un petit début de momentum qu'il est en train de trouver. Hein. En fait, ouais, tu l'as dit. Très momentum de la part de Ramsès. On va tenter une phase de jungle. Par contre, faut faire attention à pas aller trop loin parce qu'on peut très vite se faire reverse. Côté Ramsès, la dash attaque de Samus. Elle a pris combien de stock durant ce set? Je ne saurais dire, mais en tout cas, pas mal quand même. Hein. Suffisamment. Oui. Suffisamment pour être considéré comme un très bon coup. Même si vous aviez pas besoin de ce set pour le savoir. Si vous connaissez Samus, ici, par contre, le back air est excellent et on a monté grâce au buster. Et en vrai, là. Un petit back air, un petit forward smash, ça peut tuer directement vu qu'on est en mode smash. On vous rappelle que le knockback est fortement augmenté. Le up tilt, oh la DI qui était clairement pas optimale et on s'en est pas sorti à beaucoup de pourcents là du côté de Siski. Et pourtant, on est vivant et on va pouvoir continuer à gratter. Et le public de Lyon hein, qui encourage. Faut faire gaffe, hein, des stations finales, ça fait partie des plafonds bas. Donc sur des conversions smash, des conversions upper, on peut prendre très très cher du côté de Siski. On va encore une fois, comme d'habitude, stoller. Attention, fallait pas la rater cette tech là. Comme on l'a vu face à Andres FN, on a les bonnes techs visiblement. Allez, du côté de Ramsès, les réflexes sont présents. Allez, on va voir la conversion. Oh donc on n'a pas besoin ici du côté de Ramsès de trop s'inquiéter de la situation. Mais là, on est clairement en danger à 68%. On peut exploser à tout moment. C'est un jeu mental entre les deux joueurs. Les sauts de Ramsès sont légion, mais Siski les couvre tous. Oh, c'est très bien fait. D'à part le dernier, la pression sur le shield. On peut se faire shield poke par un smash. Et impressionnant. 3-0. De la part de Siski qui s'impose avec la manière contre Ramsès qui avait des pistes mais pas des solutions. Il y avait beaucoup d'idées, il y avait un vrai game plan, il y avait des vraies idées, mais voilà. Siski a été tout simplement meilleur. Ouais, ici. Siski qui a été meilleur malgré ses mésaventures avec les transports parisiens. Oh, quel enfer.